أرحب عليكم. بونجور، السلام عليكم. هذه المداخلة الخامسة. الموضوع هو المصالحة من أجل مصالحة وطنية حقيقية pour une véritable réconciliation nationale. هذو سي دي بوان كومبليمونتير j'ai décidé de rajouter. حبيت نزيدهم لأنهم عندهم دخل بالموضوع بصفة أو بأخرى. دونك تكلمنا على la nécessité de l'établissement d'une commission justice et vérité. La stabilité de l'État algérien à court et à moyen terme. Et la réconciliation officielle des Sarat n'est pas satisfaisante. Elle a laissé beaucoup de non-dits et de questions sans réponse. Ouais, les questions sans réponse, elles peuvent faire l'effet de bombes à retardement qui vont exploser sur la gueule de tout le monde. Et de l'État algérien, as well. Ok. Donc le principal but, c'est la stabilité de l'État. Et le droit des victimes. Donc je voulais rajouter quelques points. Par exemple, j'ai parlé lors de la dernière vidéo que j'ai fait tout à l'heure, une nouvelle possibilité, une nouvelle définition du crime contre l'humanité. Par exemple, s'il y a une manifestation et qu'il y a 3 personnes tuées, on peut appeler ça crime contre l'humanité. Donc, imaginez-vous par exemple ce qui s'est passé chez nous, en Algérie, pendant ces 15 dernières années, ou pendant ce qui s'est passé en Kabylie dernièrement, ou ce qui s'est passé à Brienne récemment, etc. Donc la situation n'est pas nette, hein. C'est difficile d'être optimiste dans ce genre de situation. Donc la commission justice et vérité, elle englobe tout ça normalement, et elle doit régler, elle devrait régler beaucoup de problèmes du moment qu'on décide, dès qu'il y ait une volonté politique claire de régler le problème. D'accord. Bien sûr, il y a des gens qui vont parler de la théorie de la conspiration, etc., le révisionnisme. C'est un élément fashion, comme on dit en anglais, c'est la mode, quoi. Non, ce n'est pas du révisionnisme. Ce n'est pas du révisionnisme, ce n'est pas une théorie de conspiration. Là, je suis en train de dire mon avis personnel, hein. Et je le propose au comité de réconciliation nationale véritable, au groupe qui doit voir, qui doit étudier mes propositions. Donc moi, ma principale proposition, c'est d'établir une commission justice et vérité nationale. Ok, voilà. Je voulais parler du oui, je voulais dire, il y a une approche. Le peuple algérien n'est pas un peuple mineur. بالنسبة للنظام أظن أن النظام يعتبر الشعب الجزائري شعب قاصر. Il prend le peuple algérien comme étant un peuple mineur. Le peuple algérien n'est pas un peuple mineur. Le peuple n'est pas un peuple mineur. Voilà. Donc il y a les éléments de liberté, de démocratie, ce sont des éléments fondamentaux. Ok, fondamentaux auxquels le peuple algérien a droit. Il a le droit à cela. Ce que je voulais dire aussi, je voulais dire que je voulais parler de. Il y a une vidéo qui circule ici à propos de Jacques Vergès.
Mais avant cela, je voulais parler aussi de la mafia chez nous en Algérie. On a vu, bon, il y a la mafia avant ces dernières années de folie meurtrière. Et puis il y a une nouvelle mafia, ou bien il y a de nouvelles personnalités qui sont rentrées dans le business par une porte bizarre. Et entre autres, il y a des islamistes terroristes. Entre autres, par exemple, Adjidjel, l'ex-responsable de l'armée islamique du salut, Madani Mzanag, par exemple. Ce monsieur, il est devenu un grand ponte à Adjidjel, et un grand businessman, je ne sais comment. Il était imam, ben, il est devenu chef de l'AIS, ben, il est devenu grand businessman et homme politique, et il a l'intention de lancer un parti islamiste. Et il est toléré. Donc il y a un jeu, ça c'est un exemple, hein. Ce n'est qu'un exemple. Donc il y a un jeu malsain au sein du pouvoir concernant toute la donne politique. Okay. Et en même temps, il y a des tendances politiques classiques, démocratiques, qui sont réprimées. Réprimées d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, je voulais seulement parler de ces quelques points comme ça, les survoler parce que ça prend énormément de temps si on décide d'en parler précisément. Et aussi, bon, donc je voulais aussi dire un mot à propos de Jacques Vergès. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube actuellement. Elle est très bien, fantastique. Et moi, quand je vois Jacques Vergès, bien sûr, je me rappelle tout son passé, toute son histoire militante en tant qu'avocat et en tant qu'avocat politique et militant de la cause algérienne, du Front de Libération Nationale, durant la guerre de Libération Nationale. Et je me rappelle aussi d'un livre qu'il a écrit récemment, au début des années 90, qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Lettre à mes amis, devenus tortionnaires. Là, il parle de ses amis algériens du pouvoir. C'est un livre très 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 intéressant qui décrit un peu qui donne un peu le profil du régime. Voilà. Donc, comme j'ai dit, avec tout ce qui s'est passé chez nous dernièrement, toute la répression qu'on a subie, qu'a subi le peuple algérien. La dernière répression, cette guerre sale, bon, remontant en octobre 88, si vous voulez, ou bien on peut remonter jusqu'à 62. Hein. Bon, on ne va pas remonter jusqu'en 62 maintenant. Bon, la guerre sale, ce qui s'est passé en Kabylie, comme j'ai dit, la répression sanguinaire, ce qui s'est passé dernièrement à Belian, tout ça fait qu'il faut absolument, pour la stabilité de l'État, moi c'est un conseil que je donne. C'est un conseil que je donne. Je me permets de donner aux acteurs principaux de la tragédie algérienne. Ok? Donc, il faut encourager, il ne faut pas être contre. Ces commissions, cette notion de commission justice et vérité, donc cette approche de la réconciliation nationale véritable, parce que ça sert, comme j'ai dit, l'intérêt supérieur de l'État, et ça empêche une instabilité, ou bien une situation qui peut déboucher sur des. Peut déboucher sur des faits non désirés. D'accord? Donc voilà, donc la commission, la réconciliation nationale, le concept de réconciliation nationale véritable, c'est un concept bénéfique pour l'Algérie, mais
par le biais bien sûr de la commission, des commissions Justice et Vérité, mais la mafia politico-financière, militaro, etc., et les autres, elle n'a pas de place. Elle n'a pas de place dans l'Algérie nouvelle auquel nous aspirons, auquel les Algériens aspirent. La mafia militaro-financière ou bien politico-financière, Smouha qui m'habite, n'aura pas de place parmi nous. Ok, prends la chair. C'est comme ça.